Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, on est sur l'entretien complet de notre G5, un litre 9 TDI, une porte moteur injecteur pompe, hein. Type BRU. Alors qu'est-ce qu'on a été chercher? Du nettoyant frein logique, du dégrippant logique aussi, le liquide de refroidissement à la fin. Là, on a deux soufflets de cardan pour droite et gauche. On a le filtre à huile, la pompe à eau, le kit distribution, le filtre à gasoil. D'ailleurs, la boîte n'est pas terrible. Le thermostat d'eau, s'il vous plaît, messieurs, dames. On a... Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est le bidon d'huile gratuit. Il y avait un litre gratuit. On a la courroie accessoire là qui se balade toute seule. Et bah, en gros, on fait la révision complète, quoi. Tout sauf l'embrayage. Bon, avec tout ça, moi je serais bien chaud de commencer par la distribution en tout premier lieu. Donc en selle, hein, courroie de distribution. Donc on va commencer par foutre du dégrippant. Ah, on est bloqué. Il y a un truc à enlever d'abord. Il y a la courroie, il y a tout ça. Donc le dégrippant repasse après. Allez, c'est parti. Support moteur, tout ce qui va bien. Ça, déjà, tu me diras, on peut déjà le dégripper, le support moteur. Voilà. Allez, je prépare tout. Support moteur, tout ça, et on se retrouve sur la distribution même. Donc là, on a la poulie d'ampère. On enlève son capuchon qui protège les vis d'ampère. Et regarde, tout est neuf derrière. Ça, c'est la magie Volkswagen. Bon, c'est des trucs à laine, je vois, qui sont un peu abîmés. Donc ça, on le met de côté. Et voilà. On va tout de suite déconnecter cette durite-là, celle qu'on avait réparée en fin de compte. Parce que pour lever ou baisser le moteur, comme elle est jonctionnée à l'échangeur, la souplesse n'est pas terrible et on risque d'abîmer quelque chose. Surtout que tout est en plastique, caoutchouc. Donc on déconnecte tout de suite ici. Là, tu lèves le clipson. Et tu sors ta durite, voilà. Et là, voilà, on la laisse en bas comme ça, elle nous gêne pas. Bon, le clipson s'est remis en place, mais peu importe. Et comme ça, on a la mobilité comme il faut pour notre truc. On détend tout de suite la courroie accessoire. Je cale en dessous le cric pour enlever le support moteur. En dessous, là. Et on va détendre la courroie accessoire du haut. Allez, c'est parti, je fous un cric en dessous et puis on retourne en haut, les gars. Voilà, nous voilà sous le véhicule. Donc on met une planche de bois en fait pour rehausser le cric. Une deuxième pour encore plus rehausser. On fout notre cric. Bon, j'ai pas pris le bon cric là. Ça c'est le cric Renault. Et voilà, là j'ai le bon cric. Donc on le met vers moi. Petite planche de bois pour le carter alu. Surtout pas sous le capteur. Et là, tu peux monter au maximum pour aller choper la hauteur du moteur. À peu près par là. Là, on prend notre planche de bois, on la met bien dans le long. Voilà. Et là, voilà, tu lèves un peu histoire de mettre la chose en tension. Maintenant que ça c'est en tension, ici on pourra venir descendre ou monter le moteur. Tu vois? Ici on est bien dégagé, tu vois? Elle nous gêne plus là-bas. Donc là on est bon, on peut monter et descendre le moteur à notre guise. On arrive au support moteur. Donc dégrippant max partout sur les boulons là. Tu peux même mettre sur le boulon de la courroie, enfin du tendeur, mais voilà, ça c'est bon. Et puis là aussi.
Mais avant ça, on en a un paquet de choses à enlever. Hein, parce que comme il faut enlever le support moteur et tout, on va dégager aussi le bocal d'expansion. Là. Juste là, on aura beaucoup plus de place. Et là, sinon, ça va être un peu léger. Alors, qu'est-ce qu'on vire ici? Tac, tac, tac. On va virer notre bocal. Notre bocal. Notre bocal, il faut le décrocher là, directement. Le bocal, on essaie de ne pas le casser, tout neuf. À mon avis, il n'a pas trop 100 000 le bocal. Voilà, ça c'est la première qui est enlevée. On peut remettre un peu son truc. Non, on n'est plus ici. Hein. On peut venir aussi déconnecter la petite fiche là. Donc tu presses comme ça et tu tires. Voilà. Voilà. Là on peut déclipser le faisceau qui est pris dans le bocal. Et là on a deux petites vis de torx à enlever. Tac. Le bocal est limite libre parce que t'as le faisceau qui me bloque et tout. J'ai aussi le truc d'essuie-glace là à enlever. C'est du 10 mm. Voilà, là j'ai de la souplesse pour enlever mon bocal. Mon bocal, qu'est-ce qu'il a? C'est le faisceau qui m'ennuie. Hein. La gaine du faisceau électrique là. Ah oui, parce que j'ai la durite là qui passe en dessous, c'est pour ça aussi. Peut-être devoir enlever la durite du dessous, mais ça m'arrange pas trop. Voilà, si on peut s'arranger comme ça, là, tu vois, il passe en dessous. Bon, on va le laisser reculer comme ça. Là, j'ai accès à mes deux vis de support moteur. Et j'ai la durite d'eau inférieure qui m'ennuie. Bon, c'est pas grave. Là, on revient ici. Et c'est bien du 18. Voilà. 1. Putain, je tape en plein dans les trucs là. Putain, je vais être obligé de tout dézinguer carrément. Ça, on le remettra à la fin. Et là, est-ce qu'on a de la souplesse? Non, on n'aura pas de souplesse quand même. Voilà, ces deux-là sont déconnectés en partie. Enfin, moi, ils sont desserrés.
Et là, il faut impérativement que je vire ce filtre à gasoil là. Oh, il est juste clipsé ce coquin là. Tac, tac, tac. Ah, c'est la merde là. On a encore une petite vis de 10 là. J'en mets les vis direct, comme ça il n'y a pas de confusion. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il y en a encore une de 10 là. Juste là. Tout ça, c'est juste pour accéder au support moteur. Voilà. Là, notre support. Encore une vis ou quoi, notre support? Oui. Il y a encore une vis là. Il y en a trois en fait. Donc là, le support, voilà, il s'en va le support. Là, j'ai accès à une grosse vis de support. Et si je relève lui, j'ai accès à la deuxième. C'est parfait. Là, il y a un petit truc de 13. Une petite patte en 13 là qu'il faut enlever impérativement, les amis. Il n'a pas été démonté hier celui-là. Je dois reprendre le gros cliquet, mes amis. Voilà. Le gros cliquet, ça va tout de suite mieux, les amis. Et c'est lui qui tient aussi la tête de truc essuie-glace.
Voilà, encore un support. Là, on remet les vis de suite. Et là, on revient chercher 18, voire plus gros. Une vis de support moteur. Non, c'est plus petit. 16, peut-être bien 16. Oui, c'est bien du 16, les amis. Voilà. La première ici. Et la deuxième. Ici. Si je rip pas, ce serait mieux. Là, avec le bocal, je suis un peu en... Ouais, je sais pas, du 16 derrière ou c'est comment? Si, c'est bon. Parce qu'il faisait le malin. Il faisait le malinois. Donc côté gauche, t'as une vis de façon normale. Et côté droit, tu as une vis avec une pour fixer un petit boulon. Voilà. Une vis comme ça pour fixer ce petit boulon-là qui sert à fixer le support filtre à gasoil. C'est compliqué tout ça. Hein, donc je t'enlève les petites pattes là que j'ai enlevées. Les vis, on les remettra à leur place initiale. Là, je peux déjà en remettre une ici. Voilà. On va maintenant... Donc il y a aussi celle du lave-glace. Je la remets tout de suite comme ça. Ni toi ni moi sommes embêtés au remontage. Et je démonte, mais je suis déjà en train d'anticiper sur le remontage, ouais, tu vois ce que je veux dire? Bim! Là, on reprend en 18 pour notre support moteur. Support moteur. Donc là, lui va pouvoir rejoindre sa place. J'ai un boulon là. Donc normalement, ça se fait sans résistance, comme le cric est en dessous. Le moteur ne doit pas descendre. Si tu dévises ta vis et que ça résiste tout le long, c'est que tu es en train de faire de la merde. Là, c'est que le moteur descend et que à la fin de la vis, il tombe. Là, je vois bien les têtes de vis qui sont en train de remonter. C'est parfait. Jette un œil en dessous si le... Le cric est toujours en tension, c'est excellent. Une vis. Alors, tu vois, quand tu fais à la main, c'est que vraiment t'es pas en train de... T'es pas en appui sur le moteur, quoi. Voilà, deux vis. Ça c'est bon. Maintenant on va pouvoir sortir notre bloc. Notre bloc support moteur. Voilà. Donc faut passer un peu. Faut un peu tout esquiver. T'as la clim. Voilà, le support moteur il est là. Donc là on replace notre bac ici même. Et donc là viens voir un peu ce que ça donne. Ça donne un peu ça.
Maintenant, on va lever le moteur pour enlever le support qui est là. Et après, on aura accès total à la distribution. Donc les vis, celles-là, tu me les perds pas, quoi, tu vois. Tu me les perds pas du tout parce que c'est pas les mêmes qu'en bas, quoi. Et surtout qu'en bas, pour te faire résumer, c'est plus facile, là. Là, ça donne ça. Là, j'aurais pu te faire la distribution là-dessus, ça aurait été plus simple. Donc, tu as une vis là. Une vis là, là qui est pas là, mais il y en a une là. Et une vis qui est là. Et la grande, elle va en bas. Non, la grande, elle va là. C'est la petite qui va en bas. Les grandes, elles vont en haut. On va voir en démontant. Bah tiens, je vais pouvoir aussi te faire la démonstration du galet tendeur. Donc, le galet tendeur, regarde bien. Ça, c'est la durite qui me fait chier depuis tout ce temps-là. Le galet tendeur, c'est comme ça. Ça, ça m'évitera de te montrer sur la voiture. Tu prends une clé de 16 et tu viens l'attraper ici. Tu vois, c'est pile poil. Et là, tu vas jouer comme ça avec ton galet tendeur. Pour détendre ou placer ta courroie, tu vois. Donc, je ne vais pas te le montrer sur la voiture parce que là, tu as compris le système. Mais c'est exactement le même. Tu vois, ça bouge bien, une clé de 16. Tu peux aussi l'attraper ici, hein. Mais c'est plus galère par là. Bon, ça va pas, c'est une claquée, mais c'est du 16 aussi. Mais là, tu vois, la petite entaille là, c'est fait exprès pour jouer avec, quoi. Allez, c'est parti. Je te montre. J'enlève ce bidulier là. Et en fin de compte, la distribution, j'aurais pu te faire un modèle là-dessus. Je suis con. Que là, je me fais chier à filmer, je sais que tu vois pas trop et tout, alors que là, on a tout. On a tout à portée de main, quoi, disons, les gamins. Bon, de toute façon, si tu comprends pas quelque chose, je viendrai sur ce moteur-là pour t'expliquer la chose. Bon, là, j'ai le cas là, mais en fait, je vais t'expliquer sur le moteur, ce sera plus simple. Donc, si tu veux, quand tu achètes un galet tendeur neuf, tu as ça. Ça, c'est la goupille qui bloque tout. Tu vois, elle se met là. Ici, là. Et en fait, quand tu compresses, ça passe dans le trou qui est là. Donc, je vais te montrer tout de suite. Je sais pas si à une main ça va être pratique du coup de te poser la caméra. Caméra Ming. Voilà, là on est bien. Alors tu tends ton truc, tu passes ta goupille là, et derrière, tu viens le récupérer dans le trou là. Voilà. Et là tu lâches. Et là, en fait, ton galet tendeur, il est compressé au max. Et du coup, ça libère la vis qui est là. Parce que sinon, tu peux pas le démonter, quoi. Enfin, t'es obligé de bégayer et tout. Parce que si tu veux, je suis obligé de démonter le galet tendeur parce qu'il est devant le cache distribution. Donc voilà, je enlève ma goupille là et je la fous sur mon moteur et puis je te montre ça. De toute façon, mon galet tendeur, je vais le démonter. Donc après, ce sera la vis là et la vis du dessous. C'est bon pour toi ? Voilà, tu vois un petit peu le concept. Donc là, je prends cette vis là. Là, avec ma barre de distension. Ouais, évidemment, c'est pas très. Je dis, si t'es pas deux. Ouais, c'est la grosse merde, mais dans le principe, c'est ça, t'as compris le schmilblick. Je suis dans la merde pour démonter cette pluie d'ampères, les gars. Et hors de question d'utiliser le pétard sur la pluie d'ampères, je vous l'ai déjà dit. Surtout que les vis, ça m'ont pas l'air fraîche. Putain, dommage que j'ai pas une clé à LED un peu plus longue que. Tu vois, parce que là, elle rentre vraiment qu'au bord. C'est pas la peine, je vais tout baiser. Je suis obligé de la prendre comme ça. Ah. Oh putain! Ah non, le moteur il tourne encore, tonton. Faut pas rêver. Je
pourrais leur mettre des coups de burin pour les débloquer, mais je vais un peu couper les vis. C'est pas, je veux pas faire ça. Puis sur Volkswagen, t'es impérativement obligé de démonter la poulie d'ampère. Hein, t'sais, y a d'autres, tu peux faire 100, mais là, tu peux pas faire 100. Obligatoire. Donc là. Ah putain! T'as vu comment j'ai fait? J'ai tenu la tête, enfin l'angle de truc pour pas qu'ils veulent envoyer, qu'ils restent bien en place. Et juste forcer sur la vis. Ah putain de merde! C'est dur à la mort! Bon, une c'est bon. Et moi celle-là. Ouais, fait encore la résistance, mais j'ai senti que je l'ai débloqué. On va la laisser coller pour pas que ça force trop sur les autres vis. Et on va essayer de reprendre là. Ah non! Putain, ça tourne. En temps normal, j'aurais dit c'est de la merde Renault. Mais là, c'est pas du Renault. Quel escroc celui-là. Bon, il me faut un moyen de déconnecter. Il y a déjà du jeu dans les vis, quoi. Je prends une rallonge plus grande. C'est celle-là que j'ai pété, non, déjà? Non, je crois pas. Le moteur il tourne. J'arrive plus à refaire ma technique de compète de tout à l'heure. Bon, ça va pas. Faut impérativement que je bloque le moteur. Le moteur. Et ça, tu vas voir, c'est la vis que j'ai déjà pété. Il s'accroche pas assez là. C'est pas assez profond. Bon, on va essayer comme ça. Merde. Et quand ça veut pas, ça ne veut pas. Voilà. Là, on va essayer un truc avec la rallonge là. Je sais que c'est vraiment pas bien d'utiliser le petit clic FA comme de la sorte. Mais pour le coup, pour tenir mes deux mains, c'est beaucoup plus pratique.
Voilà. Bon, celle-là, je crois que c'était celle qui était déjà pétée, donc aucun intérêt. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est le cliquet qui a beaucoup de clic-clic. Et là, je peux tenir les deux. Voilà. Déjà deux qui sont faits. Oula. Il a été se bloquer là-dedans, lui. Voilà. Trois qui sont faits. Et sans taper, messieurs, dames. Hein. Et le dernier là-haut, bah, le dernier, je crois qu'il va falloir qu'on tourne la poulie d'ampère. Voilà, je la mets bien en bas. Et là, j'arrive plus à remettre le cliquet comme il était. Voilà. Il est un peu au biais, mais normalement, ça devrait le faire. Et là, je peux tenir les deux. Ah, c'est bon, les quatre, elles sont faites là? Non. Un, c'est bon. Deux, c'est bon. Trois, c'est bon. On sait bien que tu sois revenu, parce qu'en fin de compte, j'ai enlevé trois vis ici, que voilà. Mais si tu veux, elles sont dures à enlever. Et la dernière, là, elle est dure, mais comme du béton. Je connais pas le Newton mètre, la force de cisaillement, mais j'ai bien l'impression qu'elle va péter. J'espère pas. Elle est décollée, hein, elle est à 0,5 de la poulie. Mais il y a comme... c'est pas normal que ce soit aussi dur que ça, tu vois ce que je veux dire? Bon, là, j'ai l'impression que c'est moins dur que tout à l'heure, et encore, ouais. Là, ça se ramollit. Donc, depuis tout à l'heure, j'asperge au fur et à mesure du dégrippant. Mais, je crois que ça vient, donc. Donc soit ça n'a jamais été fait de sa vie, soit ils ont mis du putain de Loctite. Alors à cet endroit-là, on n'a pas besoin. Voilà, elle vient. Bon. Du coup, t'as rien loupé. T'as rien loupé. Voilà. Et une connerie que j'ai faite, c'est pour éviter que le moteur y tourne. En fin de compte, ces vis-là, on les débloque avant d'enlever la courroie accessoire. Comme ça, tu as l'appui de tous les accessoires en même temps. Voilà une belle poulie d'ampère. Donc, tu vois qu'il y a 5 trous. C'est parce que tu as un petit rond là-bas qui fait office de guide. Le guidoir. Donc, la poulie d'ampère, je la mets tout de suite sur l'atelier. Et à partir de là, on va enlever les vis du cache. Donc, une, deux... 3, 4 et 5 là-haut. À l'aide de 10 mm, messieurs, dames. 10 mm, c'est celle-là. Donc là, tu vois que le cache du haut, il est superposé au cache du bas. Et il est en haut. Donc en fait, on commence par... celui du haut. Donc celui du haut, j'ai une vis là de 10. On compare à chaque fois que ça soit la même longueur, mais bon, je connais le moteur. Je connais bien le moteur. Ceux qui suivent savent que j'ai eu des gros problèmes avec ma Golf 5 bleue
dont le moteur est là-bas, c'est sur celui que je vous fais les petites expositions. Et qui a un problème d'injecteur. Donc là, j'enlève la première vis de 10. Et on continue avec les suivantes. Donc les suivantes, c'est celle-ci. Celle-ci. Ouais, j'utilise pas de pétard, ça va plus vite, mais j'aime pas le pétard. Voilà. Là, le cache du haut, si je dis pas de bêtises, il va venir. Non, il en reste une encore. Non. Peut-être qu'il est collé avec celui du bas. Comment enlever ça? Et la dernière. Aïe, mon coude dans le béton. Super. Bah, tu vois. Je vois à la. Comment elle colle toutes les vis là. Soit ça n'a jamais été démonté. Soit ça n'a jamais été démonté. De toute façon, le moteur est tout neuf. Il a 280 000. Tout neuf, le moteur. Tout neuf, je te dis, le moteur. Et là, ouais, tu vois, la partie était collée en fait. Donc je vais te la décoller tout de suite. Et encore, si elle est collée, c'est très bien. Mais elle est collée par la crasse. Et ça, c'est en deux parties normalement. Peu importe. On va laisser ça comme ça. Oui. Oui, 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 mon ami. Donc tu vois, sur le côté de la courroie, tu vois déjà un peu la ferraille. À des endroits, non, à des endroits, oui. Tu vois ici, là. Là, tu vois pas. Ça, c'est un signe de courroie HS. Enfin, bientôt, c'est des signes d'usure, pour être plus précis, mon lapin. Donc là, on va tout de suite faire ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant ou le plus important. Qu'un slime tienne. Les repères de la distribution avec du blanc du type X. Bon, viens voir que je t'explique avant de faire quoi que ce soit. Théoriquement, quand tu utilises des piges de calage... La couronne qui est là, elle doit se retrouver en haut quelque part par là. Et tu mets la pige dans les haricots là. Alors moi aujourd'hui, je n'ai pas le pige de calage là, je l'ai prêté à un collègue, c'est toujours comme ça. Donc du coup on va le faire sans. On va le faire sans et tu verras que ça ira très bien. Ne t'inquiète pas. La poulie de Villebrequin en bas n'est pas une poulie folle comme sur les F4R ou les 16V et les essences de chez Renault. Donc, il n'y a pas de souci, c'est du Volkswagen, ça va tout seul. Donc là, ce qu'on fait, tu vois, je remarque que là, il y a un bout de Tipex. Et l'autre paire est là. Ça, c'est l'ancien calage du mec, donc on reprend jamais les calages des anciens mecs. Je vais en refaire une. Bon, là, c'est dommage parce qu'elle tombe dessus, mais moi, j'utilise toujours midi. Donc, je vais prendre cette dent-là, mais j'aurais pu prendre celle-là, 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 n'importe laquelle. Je vais en choisir une. Je vais la marquer. Sur la poulie, sur la courroie et sur la flasque fixe de la distribution. On ira faire pareil en bas et comme ça on aura synchronisé la dent ici à la dent en bas. On reportera les marquages de la courroie, des marquages qui sont sur la courroie, sur la nouvelle courroie et on viendra replacer tout bêtement la nouvelle courroie sur les dents appropriées. Capitché ? Donc là tout de suite, on fait les marquages au blanc.
Donc on choisit une dent ici et en bas. Bon, moi je vais en prendre deux hein, par sécurité. Donc celle-là et celle-là, mettons, tu vois. Et puis voilà. C'est surtout en bas qu'il faut en prendre plusieurs parce que comme tu as la pompe à eau là qui est juste au-dessus, quand je vais la changer, en fait tu as de l'eau qui va couler et qui risque d'effacer les marquages en bas. Ça m'est déjà arrivé par expérience. Et là tu es dans la merde. Donc. Mais ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains, mon grand. Faut toujours secouer. Donc ça, tu vois, c'est la seule chose que j'ai gardée du collège. Oh, ça va, on déconne. Donc là, je choisis celle-là, tiens. Donc celle-là, je la badigeonne bien. Tac, juste là-dedans, hein, pas le creux, bim. Et là, je reporte aussi sur la courroie. Je vais jusqu'à l'autre bout. Bon, là, c'est pas évident parce que les dents ne ressortent pas derrière. Mais tu fais ça au plus droit. Voilà, au plus droit comme ça. Et là, tu viens faire... Regarde, la dent, elle vient là. Voilà. Donc ça, c'est la première dent. Et on va en prendre une autre. On va en prendre une autre ici, tiens. Celle-ci, elle me plaît bien aussi. Donc, tu la mets bien. Tac, tu reportes sur la courroie et tout le long. Tout le long de la dent. On remet un peu de peinture, faut pas que ça coule. Donc là, on colorie ça, mais ça, ça bouge, on s'en branle. Il faut aller chercher ici. Voilà. Là, on est bon. Les deux du haut, c'est bon. On bascule en bas, messieurs. Donc en bas, faudra que je te zoome parce que tu es un peu plus loin. J'ai pas le support ici même. Donc on choisit cette dent-là. Cette dent-là sur la courroie. Là, on colorie pas jusqu'en bas et on vient ici tout de suite. Voilà. Tu en prends une deuxième ici. Tu fais un petit marquage sur la courroie. Et tu viens aussi ici le mettre. Voilà. Notre repère de courroie de distribution est fait. Donne-moi un peu ça. Voilà. On est bien marqué. C'est du approximatif sur le carter. Mais sur les dents de la courroie, c'est du bien précis. Ne t'inquiète pas, mon lapin. Maintenant que ça c'est fait, on va passer là-haut et on va aller détendre le galet tendeur. Alors, le galet tendeur, comment ça se passe? Une vis centrale là de 13, c'est pas du 13, c'est super. 14, eh je le savais, c'est du 15 les amis. Non, non, c'est soit 15 ou soit 13, là c'est 15. Donc tu mets ta clé dessus. Et là tu viens desserrer le schmilblick. Donc regarde bien, le galet tendeur va se mettre à bouger. Théoriquement, il devrait faire à l'encontre des aiguilles d'une montre, parce que la flèche dit que la tension, c'est sens horaire. Voilà, bah, il a bougé d'un seul coup. Ok. Ok. Donc là, maintenant, tu viens le dévisser. Le boulon, on le garde précieusement parce qu'on ne sait pas sûr qu'il soit fourni avec. Et là, on peut venir le sortir. Le sortir. Et là, t'as vu, t'as le rebord. Sans pas qu'il sorte. Donc, tu peux pas le faire sortir de là. Là, tu vois, il veut pas venir. Donc, on va lui enlever sa tension au maximum. Voilà. Et là, il veut pas. Il faut l'enlever par les dents du haut. Parce que les quads TDI sont très difficiles à mettre. Et à sortir du coup par la pompe à eau, ça veut bien sortir, par là ça veut pas. Non, interdiction d'utiliser la moindre tournevis sur la courroie, c'est interdit, hein. Strictement interdit, que ce soit la vieille ou la nouvelle, hein. Donc là, pour sortir ce schmilblick là, ça va être une grosse merde. Tout se fait à la main.
Et tu vois, on remarque qu'on n'a pas. L'arbacame n'a pas bougé. On est encore en phase de notre peinture. Donc là, on tire la courroie vers nous. Tiens, côté pompe à eau, ça a l'air de mieux venir. C'est tendu comme un string, mon pote. Même sans tension, tu peux y aller. Côté pompe à eau, ça a l'air de vouloir sortir. Non. Il veut rien savoir. Donc j'arrive à la sortir de la pompe à eau direct. Voilà, c'est bon. Je l'ai enlevé de la pompe à eau. Et là, tu enlèves la culotte de la jeune fille. Enfin, la courroie de distribution du moteur. C'est aussi excitant, les gars. Non? Ok. Bon, bah, je me suis fait mon film tout seul. Ah, des fois, je me dis que je suis pas net. Allez, viens voir cette courroie, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, cette courroie? Je vais te mettre un peu de lumière. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte que là, on a nos repères. Et qu'elle est. Tu vois, c'est les bordures, là, qui. Le petit orange que tu vois. C'est pas bon parce que là tu la vois plus. Tu vois, là il n'y en a pas. Et là il y a du orange. Donc ça c'est une courroie qui est en train de se niquer. Et surtout, surtout la tension que ça prend. Donc tu t'imagines bien le truc, quoi. Donc on a enlevé du continental. Donc j'espère que la courroie c'est elle est avec l'écriture bleue là. Je sais plus c'est commencé comment, mais je crois que c'est continental aussi. Bon. Là on n'a pas bougé. En bas, on bouge rarement, donc je pense qu'on n'a pas bougé. Là, on va virer tout de suite. Donc le galet tendeur, tu le prends avec toi. Et tu vois la flèche? C'est pour le sens de rotation pour la tension. Donc là, c'est le sens horaire pour la tension. On le met à côté. On en aura sûrement besoin après pour le comparer à l'autre. On va tout de suite faire la pompe à eau. La pompe à eau qui se trouve ici. Voilà, tu vois pas grand chose. Voilà, la pompe à eau, c'est lui. Le seul pignon qui est sur la droite, là. Tu le vois? Et on va aussi virer le galet en bas, là. Galet fixe. Allez, c'est parti, je procède. Boum! Nouvelle pompe à eau. Donc, j'ai démonté la pompe à eau sans vous, les amis. Je suis désolé. Désolé! Donc c'est du Dols. J'aime bien SKF, mais là c'est Dols. Okay. Bon, pas grave. Le joint torique de la pompe à eau, tu vois, est déjà intégré. Tu as juste à le poser en trois vis. Donc tu en vois quatre des trous, mais c'est parce que là, tu as un petit... ça c'est le filetage pour le cage distribution qui vient après. Donc l'ancienne pompe à eau était pas naze. Elle ne fuyait pas. Elle était encore bonne. Mais... nécessite de remplacer le modèle. Donc je la replace. Peut-être le faire sans vous. J'ai bien poncé. Alors, regarde, papier de verre à l'appui. J'ai bien poncé tout autour. Et là, je vais refoutre ça avec les trois vis. Ok? Il n'y a rien de compliqué. Hein. Tu l'enfournes, ça rentre tout seul. Et puis tu visses les trois vis à fond. Je te parlerai de ce petit rond après. C'est la valve de protection. Alors, un kit de distribution. Deiko. Excusez-moi. Autant pour moi. Waouh! Qu'est-ce que nous avons là? Un galet tendeur. Donc, le même que l'autre. Là, on a le galet fixe. Le même que l'autre. Et là, on va avoir la courroie de distribution. Ah! J'espère que les écritures sont bleues. Du Deico, comme d'habitude. Donc, tu vois,
C'est exactement la même que j'ai montée sur mon Audi A3 de TDI. Bon, à l'époque, je faisais pas de vidéogramme. Mais si tu veux, à cette époque-là, j'ai appris que tu vois, quand la courroie est beige comme ça à l'intérieur, c'est que c'est une courroie renforcée au Kevlar et que la tension va être tenace. Tu me suis ou pas? Donc, n'aie pas peur de tendre. C'est un TDI, ça, c'est TTK. Tu tires deux semi-remorques avec ça. T'accroches ça à la boule d'un et tu accroches l'autre, tu peux tirer avec ça. Ça tient, mais du Deico, j'adore ça. Bon, on n'est pas à la courroie là, c'était juste. Oh! Les boulons tout neufs. Donc t'en as un en 15 pour le galet tendeur et t'en as un en 13 pour le galet fixe. Et par contre, t'as vu, ils mettent pas les axes. Les axes ici même là. Les goujons si tu veux. T'en as deux, t'en as un pour le fixe et un pour le tendeur. Et si tu regardes, tu vas dans mes vidéos, tu vas dans Autopsie Audi A3, tu verras que sur 2 litres TDI, si tu changes pas les axes, ça pète net. Et ta distribution ou ton moteur, t'as tout dans le cul. Donc à l'époque j'avais fait la précaution. Bon, ça c'est 1 litre 9. Donc apparemment il n'est pas sujet à cette maladie. Donc je vais pas changer les axes non plus parce qu'ils sont pas fournis. Mais ça c'est la petite remarque sur les 2 litres TDI BKD les gars. BKD je le connais très très bien ce moteur là, c'est j'en rêve la nuit encore. Ou j'en fais des cauchemars. Ça dépend de quel côté on se met. Bon allez c'est parti. Galet fixe que je remets tout de suite. Serrage nickel. Et le tendeur que je place provisoirement. A tout de suite les amis. Donc le fixe il est placé. Maintenant pour le galet tendeur si tu veux, tu as une encoche là, regarde, tu vois qui dépasse là, ici là, ça va tout bêtement dans le carré qui est là. Tu le vois le carré? Il est là le carré, voilà. Donc c'est difficile à te montrer, donc je vais te faire sans te montrer. Donc ça c'est l'ancien boulon que je vais enlever pour mettre le neuf. Et je vais mettre le galet fixe dans son entaille. Capteur PMA juste là. Allez, galet fixe. Donc je le place dans son logement dans le milieu et avec l'entaille ici dans le carré comme je viens de te dire. Allez c'est parti. Je sais pas si tu vas bien pouvoir voir la manip. Donc là il est sur son axe. Et là le carré on vient le viser. Ouais, c'est dur de te montrer avec la caméra. Je vais essayer de poser la caméra là, peut-être que tu verras mieux. Voilà, je vais essayer de te montrer le carré, bim, dans l'entaille. Voilà. Là, son carré, il est bien mis dans l'entaille. Oh, avec la lampe et tout. Tu vois? Il ne peut pas rentrer ailleurs, tu vois? Là, il est dans l'entaille. De ça, tu viens tout de suite mettre le boulon. Comme ça, en fait, il ne pourra pas reculer. Tu ne le serres pas le boulon, mais tu le mets pour pas qu'il recule de son encoche. Voilà. Et là, tu vois, regarde, je peux toujours le manipuler à la main. Comme ça, il fait des bruits bizarres, ce galet. Tu desserres légèrement l'écrou et là, voilà. Et là, tu tends ou tu détends. OK? Donc là, on va laisser détendu à fond parce qu'on n'a pas mis la courroie encore. Et le carré est bien dans son entaille. Après, il y aura juste à mettre derrière la courroie la flèche entre les deux. Mais ça, tu l'avais compris. Et dans le sens horaire, il y a la flèche. Il y a des flèches partout, je suis arrivé, je ne peux pas te gourer. Hein. La partie sport arrive, les gars. C'est pour mettre la courroie. Donc la courroie, toujours comme ça, dans le sens des écritures, que tu puisses lire côté L, là, passager, forcément. Mais ça, c'est le côté sport. C'est sport de chez sport de chez sport. Surtout que j'ai pas enlevé les trois boulons, donc la poulie n'est pas libre. Ça va vraiment être du sport pour tomber pile. Mais avant ça, tu sais ce qu'on a oublié? Je suis sûr que tu y avais pensé, toi. On va reporter les anciens marquages de l'ancienne courroie de distribution sur la nouvelle, à l'aide du Tipex. Bon, les repères sont reportés. Deux ici pour l'Arbacam. Et deux ici, ça n'a rien à voir, ça faut pas le prendre en compte. Et les deux ici du Villebrequin, mes amis. Je
Quand j'étais plus jeune, moi je t'ai zappé cette opération-là parce que tu sauras le faire quoi. Mais quand j'étais plus jeune, je comptais toutes les dents, une à une, pour faire les marquages. Mais tu t'imagines bien que quand je faisais des V6 ou même des 16V, il y avait beaucoup de dents à compter quoi. Donc maintenant, bah, je les superpose et puis je tourne trois fois et après j'enlève les courroies, je les remets, truc, pour revoir si je retombe dessus. Et puis là, je tombais pile poil dessus. Donc le compte est bon, les amis. On place tout de suite la courroie tout en bas sur le vilebrequin avec un carton en dessous pour éviter que... Bon, je vais te montrer. Et après, le dernier à prendre la courroie accessoire, c'est l'arbacam. Mais c'est le plus dur. Tu peux pas le faire avec le galet tendeur parce que... Enfin, le mettre en dernier parce qu'il a le... Tu sais, la coupelle, là, le bord pour guider la courroie, quoi. C'est le seul qu'il a sur tous les éléments de la distribution. En selle, c'est parti. Donc la courroie accessoire, n'importe quoi. Distribution, la lecture bien vers toi. Et donc là, tu montes la courroie tout en haut. Et tu viens t'intéresser juste à nos repères blancs du vilebrequin. Je déchire un carton au préalable pour venir la bloquer ensuite. Et donc là, je place ma première dent sur mon premier marquage et ma deuxième sur le deuxième. Donc, il n'y a pas beaucoup de place, surtout que la courroie est très rigide. Rigide, c'est l'inverse de souple, tu vois. Et voilà. Là, ah, putain, j'ai du mal à y aller. Je l'ai bloqué par là. Voilà. Là, on est bon. Et pour éviter qu'elle redescende, je fous un carton en dessous là. Là. Là, elle bougera plus et est dans son repère. Donc là, je peux tout de suite la passer sur sa pompe à eau par là. Voilà. Et là, je la passe devant sur son petit galet. Je la mets bien au fond pour avoir le plus de mou possible. Là, on est en haut avec tout ce bordel. Donc là, pompe à eau, on trouve des dents bien adéquates, donc tu peux la tourner, la pompe à eau, voilà. Tac. Là. Voilà, là, elle arrive à trouver les dents. Bim. Là, le galet, faut le passer au-dessus du galet. C'est très dur de trouver un angle où tu verras bien tout ce que je raconte et tout ce que tu vois. Donc là, on est passé, on est d'accord, on est bien dans la pompe à eau. Là, on est passé aussi, on met bien dans son encoche pour avoir le plus de mou possible. Et maintenant, on vient là-haut. Et là-haut, il faut qu'on mette la courroie de façon à ce qu'elle... Ok, il n'y a plus de lampe. Et il est organisé ce mécano, hein. Putain, il n'y a plus de lumière là. Bon, toutes mes excuses, je n'ai plus de lumière. Mais la courroie de distribution est placée. Donc regarde, tu peux bien voir que là on est en face. Limite ça on s'en tape là. Hein. Ce qui compte c'est vraiment le marquage de la courroie et la dent. Là les deux dents sont parfaites. Et si tu viens en bas, c'est exactement le même rendu. On est carré, carré, carré. Comme j'ai pas mis de pige de calage, le moteur n'est pas bloqué. Quand je vais faire la tension, il va tendre partout. Que ce soit le côté pompe à eau, que le côté galet tendeur. Avec les piges de calage, c'est litigieux ça. Mais là, il n'y a pas de pige de calage, donc c'est parfait. La courroie va se tendre, comment dire, fluidement, enfin, partout pareil quoi. J'ai pas le mot, mais tu m'as compris. Donc c'est parti. Je te montre aussi pour le galet tendeur. Le galet tendeur, tu arrives sur ça. Pour le tendre, tu as deux choix. Tu as le choix de la clé Allen, tout de suite ici là qui rentre dans son encoche et que tu peux tourner le... Bon là, il tourne pas, mais tu m'as compris, ça marche. Ou alors, tu vois les deux petits trous là? Tu peux prendre ce genre de pince. Donc c'est une pince à l'envers en fait. C'est quand je serre, ça écarte. Tu vois? Je serre, ça écarte. Bim. Et là, tu vas voir que les deux trous, bim, ça rentre pile dedans. Et là, tu peux tourner. Je te parle de cette pince parce que, bon, je ne vais pas l'utiliser là parce que, tu vois, les picots sont vraiment très très fins. Et que là, il va falloir vraiment très, enfin, tendre très très fort.
Mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait une distribution sur une Fiat 500 essence. Donc c'est un moteur, il est tout simple, hein, ça va tout seul. J'ai pas fait de vidéogramme là-dessus, j'en suis désolé. Mais en fin de compte, pour choper ton galet tendeur, t'avais que les deux petits trous là pour choper le truc. T'avais pas d'autres. Là, on a de la chance que c'est du Volkswagen, donc une fois de plus, c'est étudié pour être facile, simple et efficace. Mais voilà. Donc, j'attends que la lumière charge, je te fous un coup de lumière et on tend la courroie de distribution ensemble. Je t'ai trouvé un bon angle. Donc, tu prends. Donc, le boulon là, il est dévissé. Hein. Tu vois qu'il bouge. Il n'est pas serré. Tu prends ta clé Allen. Et là, attention, s'il y a du sport parce que va falloir tendre, mais t'as jamais vu ça, quoi. Donc là, petite durée, tu me franchis en haut. Et là, avec la, tu vois, la flèche, elle dit vers le bas, donc sens horaire. Donc là, tu envoies jusqu'à ce que la petite flèche là-bas aille devant son curseur. Je vais te replacer la lumière pour que tu voyes encore mieux que mieux que mieux. Voilà, là, tu peux pas avoir mieux que mieux que mieux. Et là, pour avoir un angle comme ça, c'est extrêmement dur. Hein. Demande aux youtubeurs. Et là, tu vois, regarde. Là, la flèche se dirige vers mon entaille. Et dès qu'elle arrive au milieu, c'est-à-dire là, on est bon. Donc tu lâches pas la clé Allen surtout. Tu ne la lâches pas la clé Allen. Et maintenant tu viens serrer ton boulon de 15. Donc là je m'y suis mal pris parce que j'ai la clé qui est juste devant moi. Ça ne va vraiment pas du tout. Il faut que je tourne comme ça en fait. Donc là je fais un mini serrage. Mais en fait ça va pas parce que j'ai la clé Allen qui est juste devant moi. Voilà, là c'est à peu près serré. Je peux enlever ma clé Allen pour la replacer différemment. Donc du coup, je vais la placer par là. Parce qu'en fait, quand je vais serrer le dernier coup de serrage, ça risque de me basculer mon bitonio. Donc là, si tu veux, avec la clé Allen, je fais une tension anti-horaire et le boulon, je le serre dans les sens horaires. Là, on arrive à un serrage optimum. Voilà. Là, tu enlèves tous tes outils et ta distribution est royale, mon gars. Elle est royale. Royal Best of Big Mac. Maintenant, on va aller en bas et on va faire des tours de moteur. On va au moins en faire deux pour que là, on quitte le mouvement. Et si tu veux que je dise pas de bêtises. Deux tours en bas, ça correspond à un tour ici. Mais nous, on va en faire, j'en fais toujours, j'en fais 16, j'en fais 20 des tours. Plus t'en fais, mieux c'est quoi. Hein, t'es sécure, tu sécures le bordel. Et après, on reviendra voir notre curseur pour voir s'il est toujours à sa place. Bon, là, tu t'occupes pas de moi. Moi, j'ai ça en 19, je vais faire tourner en bas au vilebrequin. Et toi, tu vas rester en haut et tu vas surveiller que le moteur ne bloque pas. Bloque, bloque! Donc là, tu vois déjà que la flèche du tendeur a bougé. Donc là, il prend bien sa tension partout. Là, il bouge. Hein. Donc là, tu vois, c'est pas assez tendu. Hein. Je vais me remettre. Tu me diras, je peux le faire tout de suite. Donc là, tu viens avec ta clé de 15 et ta clé Allen. Tu viens tenir ton petit curseur là.
Et tu desserres celui-là. Tu desserres juste à pouvoir le tourner un peu. Là, tu vois, il a perdu de la tension. Et là, tu viens le remettre. Voilà, là. Là, tu le resserres. Homogène, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Quand je te dis, la tension, elle va se faire partout pareil. Voilà, t'as pas la peine de serrer comme un malade mental. Et là, on continue le tour de moteur. Et regarde bien le curseur maintenant. Le curseur peut bouger, hein. Mais il faut qu'il bouge que dans sa tranche, si tu veux. Tu le vois bouger dans sa tranche, là? Qu'est-ce qu'il a de la compression, ce moteur? DR32. Voilà, donc, tu vois, le curseur, il bouge en avant, en arrière. Il est bien dans sa limite. Tu vois, là, il vient bien en arrière. Il va en avant. Mais il ne va pas en dessous de ce que les tolérances exigent. On va revenir à notre calage avec nos repères. Maintenant que notre curseur est bon. Notre calage, on y arrive. Je te remets en place, hein. Tu me fais confiance, de toute façon. Tu devrais pas. Là, on est bon sur notre calage. En haut, en tout cas. Je regarde en bas. On est perfect. Viens voir ici. Donc là, on se soucie plus de des marquages de la courroie, parce qu'elle a tourné, mais simplement de marquages sur la poulie et sur la flasque. Donc là, on est bien en face. En bas, c'est pareil. Mais là, je suis du côté, parce qu'en bas, il est un petit peu effacé. Mais on est bien. Et notre curseur est fantastique. Il est impeccable. Au milieu, voilà. On serre tout à balle. Le galet tendeur, le galet fixe, on contrôle nos serrages. Et la distribution est terminée, messieurs dames. Le cage distribution, c'est en place, enfin inférieur, nickel, avec toutes ses vis. Le galet tendeur s'est remis en place avec la petite goupille dont je t'ai parlé là. Je sais pas si tu vois grand chose, mais j'ai plus de... La lampe, elle est en charge, désolé. Et ça se remonte gentiment quoi. On va faire le filtre à gasoil sur le champ parce qu'on va pas le remonter comme ça alors qu'on doit le faire. Je suis désolé, je me suis laissé entraîner dans un remontage. Donc j'ai remonté la poulie d'ampère. J'ai toujours pas mis le cache poussière parce qu'en fin de compte je vais faire tourner le moteur à la fin quand tout sera passé. Donc la courroie accessoire, l'autre était déjà neuve. Mais c'est pas grave. Je refais un truc, donc de toute façon je l'avais acheté. Donc quoi d'accessoire neuf aussi en déco. Alors il y a un truc qui m'épate, c'est que la... Enfin qui m'épate, que je comprends pas surtout, c'est que la courroie là, c'est 6PK1050S. Et si tu vois la Continental, c'est 10PK1050 et il n'y a pas le S. Bon, on va pas se prendre la tête pour un S, mais j'aime bien comprendre en fait. Donc, si quelqu'un sait à quoi correspond ce S en fin de référence, peut-être pour sport, sur un TDI, c'est super, mais... Bon, tout à l'heure, je t'ai dit qu'on allait faire le filtre à gasoil tout de suite. En fait, on va pas le faire tout de suite, pour la bonne raison qu'une fois que je fais une distribution, j'aime bien démarrer, pour voir s'il n'y a pas de bruit bizarre, tout ça et tout, avant de toucher à tout, tu vois. Ça, c'est ma petite paranoïa aussi. Donc, je vais remonter de ce pas le support moteur, rattacher le moteur, le vase d'expansion, donc pas le support gasoil, parce que quand même, on va le faire juste après avoir démarré. Et après, on s'occupe de du reste. Donc là, tout de suite, je fais tourner le moteur à blanc. Et si tout va bien, que j'ai pas de bruit, je remets le cache supérieur. Bon, j'ai remonté tout ce petit monde. Donc ça, c'est fait. Support filtre, c'est fait. Là, il n'y avait plus rien. Support, tout est bon. En fait, le filtre à gasoil, on va le faire avant de démarrer. Parce que on va le faire maintenant pendant qu'il est là, quoi. Donc j'ai vu qu'il y a une petite virse là pour chasser l'air et réamorcer. Donc voilà. Parce que moi, quand je fais un filtre à gasoil, je le vide. Et ma belle-fille ici même, ça m'a vidé tout mon gasoil.
J'ai donc plus de gasoil. Donc je procède